Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission, La Malle aux émotions, un voyage sans limite dans le cœur des hommes. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Pierre Morkens. Alors Pierre, je l'ai rencontré lors d'un atelier en janvier 2018 sur la thématique les neurosciences. Et très vite, Pierre s'efforce de vous expliquer qu'il va vous parler de neurosciences appliquées. Donc par des exemples, par des exercices, il vous met très vite dans le concret comment vous pouvez effectivement voir de vos propres yeux comment fonctionne votre cerveau et en quoi parfois il peut vous jouer quelques petits mauvais tours ou au contraire comment vous pouvez l'apprivoiser pour mieux l'utiliser vis-à-vis de vous-même, première chose à faire, et en plus par la suite avec autrui, avec les autres, dans un groupe, en société tout simplement. C'est d'ailleurs les méthodes que moi-même j'utilise de plus en plus dans le cadre de mon métier passionnant qu'est le coaching, soit avec des personnes ou dans le cadre de l'entreprise avec des groupes. Et effectivement, les neurosciences appliquées ont véritablement de belles choses à nous expliquer, à nous dire et forcément à nous faire faire. Alors Pierre est maître en la matière, c'est quelqu'un qui finance aussi la recherche dans le domaine des neurosciences, donc généralement ce qu'il a à nous dire ou ce qu'il peut mettre en exercice sont des choses nouvelles aussi bien souvent parce qu'elles évoluent avec la recherche forcément. Donc il est au cœur du système, c'est plutôt très intéressant à ce niveau-là. Et puis je voulais aussi à nouveau le remercier parce qu'il a un agenda de ministre, il est très souvent parti à droite et à gauche et ça a été un peu compliqué de trouver un moment pour partager avec vous, avec chacun de ceux qui sont abonnés à la chaîne, eh bien cette émission. Mais Pierre l'a fait, il a tenu son engagement. Encore grand merci à toi Pierre d'avoir pris ce temps. J'espère que vous allez vraiment profiter d'une belle émission, d'entendre à nouveau peut-être certaines choses, d'en découvrir et surtout de pouvoir savoir ce que vous allez pouvoir en faire demain pour mieux appréhender qui vous êtes, ce que vous voulez devenir dans le futur et surtout encore une fois cette communication qu'on a avec les autres êtres humains qui sont faits de la même façon que nous. Donc c'est intéressant de bien se connaître et de bien savoir comment nous fonctionnons sur le plan de la société. Voilà, je n'ai qu'une dernière chose peut-être à vous demander, c'est surtout penser à vous abonner, ça n'engage en rien si ce n'est de recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est postée sur la chaîne YouTube. Voilà, il n'y a rien d'autre de contraignant. Donc je vous souhaite bien le meilleur, une bonne continuation pour les semaines à venir et je vous dis à très très vite. Ciao ciao! Bien Pierre, je suis très très heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission de la chaîne YouTube La Malle aux émotions. Merci. J'ai vraiment apprécié que tu acceptes cette invitation parce que tu as une spécialité, c'est celle des neurosciences. Alors j'aimerais que tu puisses nous en dire un peu plus sur ce que tu fais au quotidien, quelles sont également pour toi la force, la puissance des neurosciences dans un premier temps. Alors, les neurosciences, d'abord, mettons un mot là-dessus. C'est vrai que c'est très étendu. Hein. Les neurosciences, on peut s'en occuper en médecine, on peut utiliser les neurosciences pour comprendre comment on fonctionne. Et je dirais que je ne suis pas un spécialiste de toutes les neurosciences. Ce qui m'a intéressé depuis 28 ans, où je finance largement des travaux de neurosciences, sur les comportements humains. En quoi les neurosciences expliquent notre comportement? C'est-à-dire, un comportement, c'est quoi? C'est un agissement qui dépend de quoi? Ben forcément d'une décision consciente ou inconsciente qu'on prend en soi. Et donc, tous nos travaux, hein, quand même 85 années homme recherche dans ce domaine, nous ont permis de modéliser au fil du temps, ce qui explique nos décisions, nos façons de faire, mais aussi nos erreurs, nos bugs, nos croyances, et tout ce qui influence notre manière de décider et d'être, ou de ne pas être, je pourrais presque dire. C'est-à-dire que en quoi les neurosciences apportent aujourd'hui leur pierre à l'édifice à ce qu'on appelait autrefois la psychologie, hein, qui était utile, qui était le fruit d'observation. Aujourd'hui, les neurosciences apportent, je dirais, une finesse à la compréhension de ce qui se passe d'abord dans notre cerveau pour pouvoir décoder. C'est une véritable grille de lecture que nous avons mise sur pied pour comprendre
les comportements, les décisions, pour permettre à celui qui commence à comprendre à changer soit son état d'esprit, soit à comprendre ce qui peut améliorer chez lui pour se créer une vie bien plus heureuse, bien plus stable, bien plus compréhensive, et surtout, de s'adapter à un monde qui change très vite. Parce que le monde change vite, et lorsqu'on comprend les effets de ce monde qui change sur notre capacité d'adaptabilité, on voit de plus en plus d'ailleurs autour de nous des gens qui font des burn-out, des gens qui ne savent pas s'adapter, qui face au changement sont désarmés. Et aujourd'hui pourtant, les neurosciences et la compréhension du cerveau permettent de savoir comment on peut affronter le changement, affronter la vie d'aujourd'hui. Très bien, merci Pierre pour cette explication simple et précise. Maintenant, par rapport à cela, justement, comment les neurosciences expliquent l'intelligence émotionnelle ? Alors, oui, ce mot intelligence émotionnelle qui est connu depuis les premiers livres, c'était Goldman. L'intelligence émotionnelle, ça couvre beaucoup de choses. D'abord, si on prend un cerveau, qu'on regarde ce qu'il y a dedans, 100 milliards de neurones, chaque neurone étant relié en moyenne à 10 000 autres neurones, nous avons donc à peu près 1 million de milliards de connexions dans 1,4 kg, ce qui est fabuleusement riche. On ne pouvait pas du tout comprendre ce qui s'y passait avant d'avoir aujourd'hui les scanners très précis qui permettent d'y voir. Alors, les émotions. Les émotions vont se vivre dans notre cerveau. Elles viennent parfois du ventre, elles viennent peu importe d'où. Mais essayons d'abord de nommer ces émotions, parce qu'elles sont à différents niveaux. Un petit mot avant d'en parler, c'est qu'un humain prend grosso modo, ce sont des études américaines qui ont été faites sur le sujet, grosso modo 5 à 6 000 décisions par rapport à des situations qu'il rencontre tous les jours. On s'arrête au feu rouge, on démarre au feu vert. En fait, on a pris deux décisions très automatiques, on ne réfléchit pas, mais ça fait partie de nos acquis, de tout ce qu'on a appris et connu. Et donc, ces 5 à 6 000 décisions se prennent à travers 4 gouvernances. C'est comme si on avait 4 pilotes dans l'avion qui, tantôt l'un, tantôt l'autre, et ça passe de l'un à l'autre, prend des décisions en fonction des situations qui se présentent. C'est-à-dire, prenons par exemple le plus ancien que nous avons en nous, la gouvernance instinctive, appelée souvent le reptilien, qui est en fait l'hypothalamus. Il n'a que, au fond, deux fonctions essentielles, vivre et survivre. C'est lui qui vous rappelle qu'il faut boire, manger, dormir. C'est lui aussi qui va percevoir le danger. Le danger de mort, le danger physiologique, le danger qui pourrait atteindre à votre vie. Et lui, par exemple, les émotions qu'il a, parce que ce sont aussi des émotions absolument basiques, les émotions face au danger, c'est instantanément réagir et passer en stress, de fuite, de lutte ou d'inhibition, voire Henri Laborie. C'est-à-dire que face au danger de mort, il n'y a que 3 stratégies pour l'éviter. C'est s'en courir, soit se battre et se défendre, soit se faire tout petit, se cacher et être peut-être sauvé de la situation. Voilà, ça c'est des émotions hyper basiques qui sont des émotions de stress qui peuvent nous aider à survivre. Ensuite, il y a une deuxième partie du cerveau qui s'appellerait plutôt le paléolimbique, qui est plutôt c'est plutôt grégaire, une gouvernance grégaire qui, elle, naît avec les premiers mammifères et installe entre nous, disons les animaux déjà, une espèce de rapport de force. Vous avez dans une meute de loups, un plus dominant, des moins dominants, des plus soumis, etc. Et donc ça s'installe au fil du temps, là, assez rapidement entre eux. Et chez nous, l'humain, c'est la notion de confiance en soi.
j'ai confiance en moi, j'ai pas assez confiance en moi, j'ai trop confiance en moi. Et les émotions que cette partie du cerveau va vivre sont assez inconscientes. C'est je suis invité dans une réunion. Si j'ai trop confiance en moi, je suis un peu dominant, je vais considérer en rentrant que voilà, les émotions que j'ai, c'est ben, je vais prendre ma place, quoi. Alors que le plus soumis va plutôt, je ne dis pas raser les murs, mais se faire très discret, attendre qu'on l'appelle. Donc, ce sont des émotions, au fond, qui sont assez diffuses, mais qui nous font prendre des décisions, d'une façon ou d'une autre, dans nos situations. Et puis, nous avons la gouvernance émotionnelle. Alors, quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est encore autre chose, mais notre mode limbique, c'est la grosse partie du cerveau qui est notre dictionnaire, notre disque dur de nos connaissances, de nos savoirs, de nos apprentissages. C'est là aussi que on va assimiler nos motivations profondes, nos motivations et nos émotions de base. Les émotions, vous rencontrez quelqu'un et il a un agissement qui vous déplaît. Et donc, parce qu'il ne respecte pas les valeurs que vous avez, par exemple. Et donc, l'émotion peut être une émotion de, ou bien d'angoisse. Hein, ce qu'il fait, ce qui se passe autour de moi, ça m'angoisse, ça me fait peur. Voilà une émotion de ce mode limbique. C'est une émotion qui sort parce que, voilà, il n'est pas dans votre esprit de valeur, dans vos valeurs. Ou alors, c'est une émotion du type, plutôt d'agacement, d'énervement. Ce gars m'énerve, quoi. Il est en train de faire un truc, c'est pas possible, quoi. C'est irrespectueux. Hein. Et là, c'est un type d'émotion qu'on peut avoir face à ce genre de situation. Une troisième émotion possible qui est l'inhibition, c'est « Ouh là là, c'est démotivant, quoi, c'est pas possible, quoi, on en est là, etc. » Ces trois émotions dont je vais vous parler sont des émotions qui vont entraîner un stress en nous. Un stress qui va nous empêcher d'être, dans la véritable intelligence émotionnelle. Dans cette intelligence qui est plus du mode préfrontal, que je vais expliquer tout à l'heure, mais qui nous permet de nous adapter à une situation qui, à la base, est peut-être nouvelle, inconnue, dérangeante peut-être. Mais comment va-t-on réagir par rapport à ça? Alors, il y a bien sûr une quatrième émotion, c'est l'émotion de la joie, hein, l'émotion du plaisir, qui est également vécue dans ce territoire limbique, cette gouvernance émotionnelle, comme nous la nommons, et qui, bien sûr, nous donne de la joie et du plaisir. Là, on est dans des émotions déjà plus structurées, plus qu'on vit tous les jours, mais auxquelles nous devons être très attentifs, surtout lorsque on vit des émotions de stress, de lutte, de fuite, d'inhibition, c'est-à-dire de sentir agressif ou bien de sentir en soi de la gêne, de la peur, de l'angoisse ou de la démotivation. Et puis, il y a un quatrième type d'émotion, mais que je nommerai pas émotion, qui sont les sentiments. Les sentiments sont en fait une forme de valeur qu'on a créée en soi, mais par la construction de notre être. C'est-à-dire qu'on va plus loin que l'émotion. L'émotion, c'est, ça se passe et puis voilà, on réagit. Alors que le sentiment, on agit. On est beaucoup plus dans la prise de conscience, dans l'ouverture d'esprit, dans la nuance, et on s'est créé, on s'est donné un sens à la vie. Et lorsqu'on se donne un sens à la vie, il y a des sentiments qui se forment en nous à partir de nos actions. Parce que là, on a vu tout à l'heure, on est plutôt dans la réaction. Ici, on est dans l'action. Je mets en action des façons de faire, des manières de faire, des manières de penser pour construire la vie autour de moi. Et là, je suis dans des sentiments. Et donc, souvent, le mot « intelligence émotionnelle »,
qui est né il y a à peu près maintenant 30 ans déjà, avec les premiers livres. Bon, lorsqu'on le voit à travers les neurosciences, on pourrait plutôt parler de sentiments. Hein, et parce que c'est les sentiments, c'est ce mode préfrontal, donc c'est la partie qui est derrière le front, qui représente à peu près 25% de la masse d'un cerveau adulte. Cette masse-là, elle a cette capacité non pas de réagir, mais d'agir à partir d'une grille de lecture, une vraie grille de lecture, qu'elle est disponible, cette partie du cerveau est disponible pour précisément aborder l'inconnu, aborder le non maîtrisé, les choses qu'on ne connaît pas. Et elle a six caractéristiques, six dimensions. Ces dimensions sont la curiosité. Donc face à l'inconnu, si vous commencez par être curieux, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ouvrir un champ de vision. Tiens, je me pose des questions, plutôt que d'avoir des idées toutes faites, de n'aimer que la routine et les habitudes. Donc la curiosité va permettre cette ouverture d'esprit. Elle va être suivie par une deuxième dimension qui s'appellerait l'acceptation, la souplesse, l'ouverture d'esprit. Accepter des événements qui se passent autour de nous et qui, à la limite, nous feraient réagir, on n'aime pas trop, mais l'accepter sans pour autant se résigner permet à notre corps, à notre intelligence, petit à petit, de ressentir une forme de sérénité. Et ça, c'est puissant. Parce que la sérénité va entraîner de façon naturelle le fait de nuancer l'événement. Il nous dérange peut-être, mais on va le nuancer. Est-ce que cet événement, même s'il nous dérange, y a-t-il pas une opportunité derrière? Y a-t-il pas une possibilité de le voir autrement, hein? C'est pas si grave qu'on imagine. Il y a des opportunités qui se présentent à nous. Ensuite, la nuance va entraîner une quatrième dimension, qui est cette dimension de la prise de recul. Voilà qui est très utile lorsqu'on est face à l'inconnu, savoir prendre du recul. Et parfois, je conseille souvent aux gens, lorsque vous avez des décisions importantes à prendre, laissez passer une nuit. Laissez passer une nuit parce que devant l'urgence, notre cerveau, notre intelligence, notre cortex préfrontal, il est beaucoup plus lent que le mode automatique. Et donc, il a besoin parfois de creuser, d'aller chercher à gauche, à droite, dans des capacités qu'on a, mais qui sont parfois endormies. Et c'est pour ça qu'il y a un proverbe français qui est très intéressant. C'est, en fait, la nuit porte conseil. La nuit porte conseil, c'est une réalité neurobiologique du cerveau. C'est que pendant la nuit, votre cerveau, il continue à bosser. Il tourne là. Il va revoir tout ce qu'il a vu la veille. Il va recréer des nouveaux liens. Et tout le monde l'a déjà vécu dans sa vie, et le faire, c'est vraiment intéressant. C'est souvent le matin, on se lève avec l'idée, avec la réponse à une question qu'on se posait la veille. Eh bien, c'est votre cerveau qui a fait le travail. Parce que, avant tout, vous êtes mis dans un état de sérénité, d'ouverture. Et tout cela, pour terminer avec la sixième dimension du cortex préfrontal face aux sentiments, c'est que lorsqu'on est dans cet état d'esprit, on est dans la sérénité. Hein? C'est une force incroyable que l'humain peut se créer. Et à partir de cette sérénité, on peut prendre des vraies décisions. Des décisions qui sont stables, intelligentes, basées sur, en fait, du bon sens, sur de l'intelligence rationnelle, sur de l'intuition. Et lorsqu'on prend ces décisions et qu'on est dans cet état-là, on assume ces décisions. Parce qu'on ne change plus d'avis, on sait que, voilà, on est aligné avec soi-même. Très bien, merci Pierre. Si je veux rebondir sur tout ce que tu viens de dire, ce qui est très encourageant, ça veut dire qu'à ce niveau-là, tout être humain est sur le même pied d'égalité. Je me trompe en disant ça? Pas du tout, enfin, pas du tout, oui et non. Nous avons tous
les mêmes capacités des substrats cérébraux. Et ça, c'est universel. Donc, qu'on vive en Afrique, qu'on vive en Chine, en Europe ou ailleurs, les substrats cérébraux sont les mêmes pour toutes les populations. Qu'est-ce qui change? C'est en fait l'aspect culturel, c'est-à-dire tout ce qui nous est inculqué par l'extérieur. Et donc, c'est vrai que là, on est stimulé de façon différente en fonction des cultures. Et si on absorbe tout ce qu'on nous dit, sans, je dirais, faire le tri, sans être à l'écoute de nous-mêmes, ben, on va être formaté. On va être formaté. Et là, on pourrait dire, ben, c'est vrai qu'il y a des injustices, on est ceci, on est cela. Mais si on va au cœur de l'humain, chaque homme, à part bien sûr des cas biologiques, des traumatismes, etc., mais je dirais 95-99% des gens ont les mêmes facultés. La seule chose, c'est comment est-ce qu'ils vont s'y intéresser. En quoi, on le voit d'ailleurs, hein, vous avez des gens qui ont des conditions de vie très difficiles et deviennent des génies. Et puis d'autres qui ont tout ce qu'il faut autour d'eux et qui sont absolument imbuvables. Hein. Donc c'est bien qu'il y a aussi la notion de liberté, la liberté de choix. Donc chaque humain, ça c'est mon ressenti, c'est que chacun reçoit dans sa vie des éléments sur lesquels il peut s'accrocher et construire. Donc si on parle de cela, on peut parler de la neuroplasticité du cerveau. Ça veut dire quoi? La neuroplasticité du cerveau, c'est une découverte assez récente, hein, 20 ans peut-être. On sait aujourd'hui que notre cerveau, il est plastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il change, qu'il évolue, que chaque jour on crée des nouveaux circuits neuronaux, qu'on peut en découdre des anciens, qu'on peut se transformer. Et donc il y a plein de neuromythes qu'il faut absolument détruire en disant au fil du temps on perd des neurones, on devient vieux, etc. Et tout se sclérose. Oui, c'est vrai pour celui qui, quelque part, ne veut plus réfléchir, est psychorigide, mais on peut avoir un cerveau actif jusqu'à 120 ans, si on se passionne, si on veut apprendre, découvrir, être ouvert, être curieux, savoir nuancer, savoir... Voilà, c'est en fait une attitude d'esprit. Hein. L'important, c'est la pensée, l'esprit qu'on met dans les choses. Donc, l'intelligence émotionnelle, si on revient sur ce mot-là, c'est cette intelligence, je dirais, de l'homme conscient, qui assume sa vie d'être humain, hein, et qui s'intéresse aux choses. Voilà ce que je voudrais dire à ce propos-là. Très bien. J'entends parfois autour de moi des personnes dire « Ah, il y a des bonnes émotions, des mauvaises émotions. » Que pense Pierre de cela? Alors, on peut revenir là-dessus. Les bonnes émotions, on pourrait dire la joie. C'est une émotion agréable. On voit un beau film, on voit des enfants sourire, on est empli de plaisir et de joie. Ça, c'est des bonnes émotions. Mais alors, quand on dit qu'il y a des mauvaises émotions, et en effet, il y a des émotions perturbantes. Je suis triste, je suis en colère, j'ai peur, je suis angoissé. Alors, on peut dire, oui, hein, c'est gênant, c'est des mauvaises émotions. Eh bien, moi, je dirais tout autre chose. Ce sont des émotions que le corps nous donne pour précisément, et c'est pour ça que ces émotions-là, il faut en faire des alliés. C'est-à-dire, ok, c'est pas agréable, mais allons à la racine de cette émotion. Si je prends un exemple, prenons un exemple. Moi, quand je vois quelqu'un qui, par exemple, fait un travail et est complètement inefficace, ce qui fait ne sert à rien, je pourrais, moi, m'énerver devant une personne comme celle-là. Donc, c'est une mauvaise émotion, on va dire. En fait, c'est autre chose. C'est une émotion d'énervement qui doit devenir, pour moi, et c'est comme ça que je dois l'interpréter, qui doit devenir, en fait, je dirais, un allié dans le sens, tiens, je m'énerve pour ces choses-là. Pour quelle raison est-ce que moi, je m'énerve pour cela? Alors que mon voisin,
face à la même chose va rester zen, serein. Ce qui veut dire que je devrais travailler sur moi par rapport à la notion d'inefficacité. Dans le sens, qu'est-ce que je vais faire pour rester serein devant l'inefficacité, parce que c'est à ce moment-là que je pourrai parler de façon et communiquer de façon intelligente avec la personne. Sans quoi je vais m'énerver sur elle, je ne crée que de la frustration chez elle comme chez moi, et donc on n'est plus intelligent. Donc je dirais que les émotions qui nous font un peu souffrir, ok, on les a, il faut pouvoir les accepter et essayer de trouver la racine qui est derrière. Et la racine dans cet exemple, c'est « j'ai horreur de l'inefficacité ». Donc, et pourtant, l'inefficacité, ben, ça peut être intéressant parfois. Si on pense aux avantages de l'inefficacité, on peut se dire, tiens, on peut apprendre des nouvelles choses. Hein? On peut s'intéresser à ce qu'on ne connaissait pas. On peut, à partir de l'inefficacité, s'enrichir de ce que ça pourrait nous apporter. Et donc, on change de regard sur les choses. Et c'est là qu'on est efficace. C'est là que je deviens, par rapport à l'inefficacité de quelqu'un, quelqu'un de beaucoup plus serein, qui pourra lui parler, qui pourra lui demander, lui poser des questions. Tiens, pourquoi tu fais ça comme ça? Et petit à petit, amener l'autre à grandir. Parce que c'est ça la richesse. Tant que je suis énervé, et là on le sait en neurosciences, quand quelqu'un est en stress, d'énervement, d'angoisse, d'inhibition, de démotivation, son cortex préfrontal, il est plat. Ça veut dire que quand on est énervé, on n'est plus du tout aidé par notre intelligence émotionnelle ou notre véritable gouvernance, notre gouvernance adaptative. Donc on ne s'adapte plus, on ne change pas, on est bloqué. Donc faisons de ce qui est une souffrance, faisons-en un tremplin pour nous améliorer. Super. C'est un beau partage, merci en tout cas Pierre. Il y a une petite question fétiche dans la malle aux émotions et qui fait appel à l'imaginaire, la magie. Et j'aimerais la poser aussi aux spécialistes que tu es en neurosciences. S'il y avait demain une nouvelle découverte extraordinaire, magique, qu'est-ce que tu aimerais que ça apporte à l'humanité? Alors, je dirais que aujourd'hui, moi je ne vais pas me battre, au contraire, je m'amuse à parler de cela partout, dans des conférences, etc. Le magique, et je ne crois pas que c'est magique, je crois que c'est même une nécessité pour notre monde de demain. Et Henri Laborie le disait bien il y a 50 ans, il disait, si on veut que notre monde poursuive, avec d'autres mots, il est indispensable que l'homme arrive à comprendre comment il fonctionne et pourquoi il est très souvent dans l'erreur simplement parce qu'il ne sait pas comment son cerveau fonctionne. Voilà ce qu'il disait. Et alors, j'aime bien une autre phrase de Malraux qui dit « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Et en fait, ça veut dire, c'est pas une question de religion, c'est une question de le spirituel, c'est-à-dire le développement de nos capacités préfrontales à créer, à innover, à s'adapter, à donner du sens à nos vies, hein, et créer des sentiments. Ça, c'est vraiment la richesse de demain. Voilà la magie à laquelle j'aime correspondre et pour laquelle je me bats. Très bien, merci pour ce beau partage, Pierre. Enfin, pour terminer un peu notre entretien passionnant, et on pourrait y passer très très longtemps, et sans aucun doute, il y a plein de belles choses à exprimer, comme tu l'as déjà fait. Tu as peut-être une lecture actuellement à recommander à tous ceux qui nous regardent par rapport aux neurosciences et tout ce que tu as pu nous dire cet après-midi. Alors, si je peux conseiller un livre, c'est celui du directeur de recherche avec qui je travaille et je collabore depuis 28 ans. C'est le livre de Jacques Fradin qui s'appelle « L'intelligence du stress ». Alors, ça paraît curieux, hein, mais l'intelligence du stress, c'est comprendre qu'à partir du stress, eh bien, il y a une intelligence qui peut se développer si on prend conscience, si on met des mots sur nos émotions et si on utilise certains exercices
pour changer de regard sur les choses. Donc, L'intelligence du stress, Jacques Fradin, les éditions Erol. Très bien. On a l'habitude, de toute façon, on mettra tous les liens possibles. Tu nous transmettras aussi les liens de l'endroit où on peut profiter de ton enseignement, de tes connaissances en neurosciences. On mettra tout ça pour tous ceux qui s'y intéressent et qui viendront s'intéresser à une formation en neurosciences, par exemple, et se référer à ce livre que tu viens de nous donner. Oui. En tout cas, un grand, grand merci. C'est très sincère de ma part d'avoir partagé des émotions sur la malle aux émotions. Voilà, on va redoubler d'émotions. Grand merci à toi. Et puis, on se dit certainement à très vite et à très bientôt, Pierre. Alors, ce que je voudrais juste rajouter, parlons de neurosciences appliquées. D'accord. Appliquées. D'accord. Okay. Parce que c'est vraiment concret, c'est ça qui nous intéresse. C'est pas de former simplement à comprendre qu'un synapse marche comme ceci, qu'un autre. Non, c'est beaucoup plus qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre vie de tous les jours. Super, voilà, soyons pratico-pratiques. Merci. Merci à toi, bonne soirée Pierre. Merci Franck.